Souris n'aime tant des nouvelles, souris n'aime tant des paroles, eh eh. Langui n'aime tant des nouvelles, souris n'aime tant des paroles, eh eh. Bonjour tout le monde, jeudi, c'est jeudi 13 septembre 2018, c'est quatrième sortie nouvelle natif natal là pour semaine là. Rapidement, quelques parmi points à développer dans le journal là. Environ 21 sénateurs et 63 députés participaient à une séance en Assemblée nationale pour ouvrir session extraordinaire là sous convocation président République là pour capable statuer sous déclaration politique générale premier ministre nommé à Jean-Henri Séan. Président République la Jovenel Moïse recevra dans Palais National mercredi 12 septembre en lettre créance trois nouveaux ambassadeurs. Pedro José Sancerang, nouveau ambassadeur pays Espagne. Geneviève Federspiel-Sain, nouveau ambassadeur suisse. Et José Gomez, nouveau ambassadeur République France en Haïti. Office Protection Citoyen lancé mercredi 12 septembre 2018 la deuxième édition concours texte avec reportage audiovisuel sous Douamoun pour commémorer 70e anniversaire adoption déclaration universelle Douamoun 10 décembre Cap Vinila. Journalistes, étudiants et élèves. C'est catégorie qui capable participer dans concours ça intéressé au gain sorti 13 septembre pour arriver 19 octobre pour déposer travail selon directeur promotion droit monde au PCA Jude Jean-Pierre. Non, commencement nouvelle là, nous pralé dans UHM pour prévision météorologique yo à 7 heures. N'a gain prévision astrologique yo plus information sportive yo, restez branché. Point ça wak divers lot a fait essentiel 4e sortie nouvelle natif natal là pour semaine là, n'a tourné après pause là. Nouvelle natif natal sur Radio Guinée chaque matin 6 heures après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6 heures, yo expérience natif natal. Ou pote ko jamien soje banking, so attend. Soje banking son service soje bank bay qui permet client lio faire transaction sur internet. Ak soje banking, wap kafe. Virement sou compte yon moun nan soje bank ak lot bank, acheter ak vann dola, payer fakti. Fait à recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement, non? Soje Banking, gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est faire transaction banque rapide en toute sécurité sans pas dépasser. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking. Rempli formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui sale Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Jepéry avec Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous, partout et à tout moment. Radio Guinée, Fokou Guinée pour imiter Guinée. Si ou pas Guinée, même le wap imiter Guinée ou pas jamais ka Guinée. C'est seulement Guinée qui Guinée. Yo expérience natif natal, sans mélange, 100% haïtien. Li fait 6h avec 9 minutes. Yon l'autre fois, bonjour tout le monde. Mes développements nouvelles là. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Direction UHM avec Madame Cherly René Saint-Victor pour prévision météorologique. Yo, bonjour Madame Saint-Victor. Bonjour Chessie, bonjour Fedia, bonjour Fernand ou même Café Malheur Technique. Yo, auditeur Radio Guinée, moi saluez nous chaque. C'est toujours un plaisir pour nous avoir dans l'unité hydrométéorologique pays d'Haïti pour nous présenter au bulletin pour journée. Comment la situation synoptique là est dans Caraïbes et sous Atlantique là pour jeudi 13 septembre 2018 là. Nous avons un point yotal avec d'altitude qui trouve l'île sous partie orientale pays Cuba et Libanon un temps qui relativement humide et instable sous quelques zones dans pays là. Et li pral faciliter tout averse la pluie ak l'orage sou anpik département nan peyi a nan fin journée ak aswaya, c'est surtout sou département nord-ouest, sud-sud-est, Nip, centre, l'ouest, Grand-Anse, Latibonite. On l'autre côté, nou genyen
plusieurs systèmes cycloniques qui a développé sous Atlantique là avec sous la mer Caraïbes là. Nous gagnons deux ouragans qui c'est Hélène avec Florence qui ont même par rapport à la trajectoire que nous prenons, ils toujours pas représenté aucune menace directe pour Caraïbes là. Mais nous gagnons deux autres tempêtes qui c'est Joyce avec Isaac. Isaac lui-même il menace la région Caraïbes là et pendant journée la traversée petite Antillo pour arriver au sud pays d'Haïti d'ici vendredi soir à la journée samedi. Pour ça, l'IHM continue à suivre le déplacement système pour capable qu'il y ait des populations avec autorité informée. Sur le pays d'Haïti, matin, nous levons à Campil département qui gagne nuage, la plage d'après-midi à soir. Température maximale là, la varie entre 30 à 34 degrés Celsius pendant la journée. Sous quelques départements, et tombé dans la nuit, dans une moyenne entre 21 à 27 degrés Celsius. Sous Port-au-Prince, la zone qui entoure Lyon, n'a pleuvé avec soleil. Nuageux, c'est va pour après-midi à Kassouéa. Température maximale là, la brisée à 34 degrés Celsius. Pendant la journée, sous Port-au-Prince, c'est à la température là, toujours été baissée. Pour tomber dans la nuit, là, à 24 degrés Celsius. Avec la pluie, avec l'orage, ça a toujours été possible. Dans ces journées à Kassouéa, sous quelques zones dans la capitale là. Pour la mer, toujours en pile prudence à voilier, capitaine qui embarcation, le traversé la mer dans le golfe de la Gonâve, zone côtière sud, et dans la zone côtière nord. Matin, soleil a dû lever à 6h37 minutes pour coucher à 6h53 et lever encore demain vendredi à 6h37 minutes. C'est là que nous mettons fin à notre quatrième sortie bulletin pour ce maintenant. Nous remercions Chesli, Fedia, Fernand ou même Captain de Technique. Nous remercions tous les auditeurs Radio Guinée. Nous allons nous rendez-vous demain si Dieu veut. Passez une très bonne journée sur Radio. Bye bye. Merci, Madame Shirley René Saint-Victor. Même tout, nous souhaitons une bonne journée en compagnie Radio Guinée. 6h avec 12 minutes. Nous avons démarré avec information. Députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale mercredi 12 septembre sous convocation président République Jovenel Moïse pour l'ouvrir session extraordinaire dans année législative là pour statuer sous déclaration politique générale premier ministre nommé agent Henri Séan. C'est 21 sénateurs avec 63 députés qui participaient dans séance en Assemblée nationale pour ouvrir session extraordinaire là. Notre discours pour circonstances là. Président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, encouragé parlementaire pour poser une action patriotique devant situation délicate population avec un gouvernement qui a guidé affaires courantes. Président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, rappelé exigence constitutionnelle pour gouvernement joindre bénédiction parlement. Sénateur Joseph Lambert annoncé séance ratification politique générale premier ministre nommé agent Récéan pour vendredi 14 septembre à 1h30. Les exigences de la République à la convocation du président de la République qui, fort de ses prérogatives, puisées dans l'article 105 de la Constitution en vigueur, a pris un arrêté qui commande cette session extraordinaire appelée à sanctionner la déclaration de politique générale du Premier ministre. Je prends plaisir à renouveler mes plus vives félicitations à mes honorables collègues, députés du peuple et sénateurs de la République, à vous qui avez compris l'urgence de l'heure pour répondre à la République orpheline de son gouvernement depuis environ 2 mois. Il est douloureux pour toute conscience responsable de constater ou de vivre l'impuissance devant les affaires de l'État qui traînent. Et les populations se débattent difficilement dans des conditions matérielles délicates qui attendent des actions urgentes pour atténuer leurs souffrances. Je prends acte de l'intérêt que vous manifestez vis-à-vis de cette conjoncture difficile qui met notre pays dans cette situation très peu honorable de liquider les affaires courantes durant un temps déjà trop long. Mes chers collègues, les temps actuels
expose la fragilité de notre société. Nos carences sont mises à nu et personne ne peut aujourd'hui faire semblant de ne pas comprendre que la BAC nationale doit être orientée vers des rives nouvelles. Les dirigeants actuels sont obligés de repenser les mécanismes qui opèrent au sein de l'État pour refaire l'harmonie entre le pouvoir et l'autorité dans la perspective de cette gouvernance de qualité qui doit arriver enfin. Il s'agira de définir de nouvelles politiques publiques, de libérer et de renforcer les institutions chargées de les appliquer. C'est la voie royale, d'une part, de redonner à la République son vrai sens, compte tenu de la misère des couches les plus défavorisées, souvent source de frustration et de colère, et d'autre part, de notre économie atrophiée, incapable de produire des richesses ou de créer des emplois, mettant ainsi l'État trop souvent en situation de gérer des vengeances planifiées. Les instants qui suivent nous donneront à analyser pour la sanctionner la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cet exercice constitutionnel répond au vœu du nouveau régime politique né de la Constitution de 87 amendée qui soumet la légitimité du gouvernement à la nécessaire sanction pour laquelle le corps législatif a été convoqué en session extraordinaire. Cette occasion, elle est bonne parce qu'elle me donne l'opportunité de rappeler que l'œuvre du jour participe des prévisions du législateur qui a donné mandat à la Chambre des députés et au Sénat de la République non seulement de produire des lois qui favorisent la bonne gouvernance, mais aussi de bien suivre et de contrôler les actes du gouvernement. C'est notre tâche essentielle dont nous ne devons nullement nous détourner. Les principes qui le disent nous mettent aussi à l'épreuve, car la nation n'a pas arrêté de multiplier ses exigences légitimes et nous devrions en prendre prétexte pour le rendre une bonne fois à cette institution qu'est le Parlement haïtien. Le seul moyen de le faire vraiment pour nous en acquitter, consiste à accompagner le gouvernement dans le sens des instruments légaux à lui donner, des explications à solliciter et du contrôle à exercer. Toutefois, nous devons nous évertuer à exécuter notre tâche de manière impartiale et digne. Nous veillerons à exercer nos prérogatives avec une délicatesse telle que le peuple haïtien puisse aisément se reconnaître à travers les actes de ses parlementaires. Bientôt, le Premier ministre nommé, accompagné des membres de son cabinet ministériel, viendra devant nous pour faire la déclaration de sa politique générale, vendredi 1h30 pour le Sénat de la République. Parce que le texte a été déposé en vos bureaux, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance et je soupçonne déjà combien nombreuses seront vos questions et vos questionnements. En attendant l'accomplissement de l'œuvre et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte session extraordinaire, telle que convoquée par le président de la République, conformément aux vœux de la Constitution.
Président Assemblée nationale, sénateur Joseph Lambert. Vice-président aux affaires administratives, Chambre députée à Myriam Amilcar Soubopaldi, les regrette chef l'État a convoqué corps législatif là à l'extraordinaire seulement pour statuer sous déclaration politique générale Premier ministre Nouméa. C'est à bon droit que le président de la République là, les usé de prérogatives constitutionnelles et pour que les convoquer le corps législatif en session extraordinaire pour à l'effet de statuer sur l'énoncé de politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan. Donc nous autres et nous t'es allé devant le peuple là et nous travail nous venons travailler dans la chambre député, c'est vrai que nous en vacances mais là nous parlons de vacances là on connaît très bien que c'est seulement séance plénière qui parle bien, mais tu as toujours gagné du travail en commission. Donc, puisque le président estimait que il voulait que l'énoncé politique générale là, que nous-mêmes nous décidions sous lui, donc il convoquait nous à l'extraordinaire, et que moi-même, moi là, et certainement après bien un pilote député toujours qui a répondu, qui a venu faire job, puisque c'est ici à que dans le Parlement que j'ai travaillé. La seule chose qu'on remarque que moi je voulais faire dans le menu de convocation, nous trouvons que le menu de convocation est vraiment chiche. Donc, il y a un seul point dans le menu de convocation et qui c'est donc statué sous énoncé politique générale Premier ministre. Donc, maintenant, moi-même, je ne suis pas technicien en la matière, mais autant que je sache, je ne pas connais si que. Président de la République là capable pendant yon même vacances parlementaires pour convoquer corps législatif là pendant deux fois parce que constitution claire là-dedans il dit que menu de convocation une fois que il épuisé ou pas capable rentrer en aucun autre point dans le menu de convocation. Donc maintenant hors menu a un seul point. On regarde par exemple nous en septembre, n'a pas retourné en janvier. Qu'en est-il du projet de loi électorale là? Puisque la Constitution est claire, elle dit que nous avons élection en octobre pour remplacer la Chambre députée. Donc ça veut dire qu'elle est fixée, elle dit en octobre. Donc maintenant, dans le menu de convocation, nous n'avons pas le projet de loi électorale là. Même si tout, c'est vrai que le budget est beaucoup prêt pour qu'on prépare un gouvernement. Mais nous pensons que le président est capable de gagner l'autre point du jour là pour être capable de mettre. Nous croyons que le gouvernement a dû gagner. Donc ça veut dire que le gouvernement, le président de la République, là, lui-même, il gagne une seule priorité qui s'est énoncée, politique générale là. Mais de toute façon, nous retournons nous là. C'est job nous, c'est travail nous avons fait. Donc nous sommes prêts pour que nous participions dans la séance pour permettre que nous allons fixer, parce que c'est fixé, la Chambre des députés va le fixer après, bien entendu, ouverture session extraordinaire là. Eh bien, il reste à bureau, la Chambre des députés, pour fixer une date pour que les recevoir et le Premier ministre, pour demander le VIN, faire exposer, donc énoncer de politique générale. Au autre côté, vice-président aux affaires administratives, Chambre députée, Myriam Amilcar. Conseil spécial, président République, la juge Charles Faustin, encouragé député et sénateur, il prend toutes mesures pour ratifier déclaration politique générale Premier ministre nommé agent Récéan, une façon pour aborder plus rapidement une série de problèmes payants à traverser. Ancien député Ben Port-Mago, juge Charles Faustin, qui a participé dans l'émission d'Ile Jean-Lier, mercredi 12 septembre, en fait qu'on est Premier ministre nommé à Séan, politique générale qui prend en compte considération problème social paysan. Tendance générale là aujourd'hui, il supposait tendance qui allait vers peuple haïtien. Ça veut dire aujourd'hui à peuple haïtien, li non kafou côté sonil pa katan encore. Alors président Jovenel, nous connais dans grand sud là d'aller et puis li découvrir côté mounyo gain de nouveau et parti politique aujourd'hui, c'est yon rele pa katan avec on l'autre qui rele Jérémy vite. Bon situation aujourd'hui de misère. Bon situation, n'a félicité gouvernement et pour effort que vous faites dans rentrée des classes là parce que vraiment année ça et gon gros effort qui fait pour te accompagner parents yo, pour te accompagner élèves yo pour te rentrer l'école. Et mais problème yo pas arrêté là
parce que gagne de l'autre problème qui pas qu'attendre encore aujourd'hui qui vient faire que parlement n'en déplaise à de moun moi takadou qui gagne souvelé et d'opposition et m'takadi d'opposition systématique par rapport à pouvoir qu'il a ça veut dire c'est de moun m'takadou yo même et ou mette fait tout effort pour te mettre Haïti en map ça pas intéressé yo ou mette Haïti en or ça pas intéressé yo et yo même on rien bagage qui intéressé yo c'est craser briser c'est ça qui intéressé yo pour que yo capable prendre pays et retourner notre transition. OK, notre transition, on éternelle transition, c'est l'âme d'Akadzou gain de monde qui gère, qui régler problème pa yo. Et jodi a, moi-même en tant que conseiller spécial président qui là pour faire relation avec le parlement, moi-même c'est m'vle plutôt lancer un appel solennel à l'ensemble des députés et des sénateurs pour nous dire que premièrement, nous gon premier ministre son personnalité, d'Akadi qui remplit toutes conditions yo réellement pour que li capable mener bac pays comme chef de gouvernement. Ça c'est yon. Deuxièmement, et gon effort qui fait côté souvelé et nan souci pour que nous capable river gagner stabilité dans pays a, gon effort qui fait côté gagner de l'autre parti politique qui était en opposition à pouvoir mais qui accepté non dialogue qui accepté pour que eux-mêmes yo vinn porter pierre pa yo nan et construction pays a. Et ben là, nous dit parlementaire, il y a fait dépassement en dépit de toute insatisfaction que yo capable gagner pour que yo capable le plus tôt possible retirer projecteur ça qui sous parlement pour que yo capable ratifier déclaration de politique générale premier ministre là et probablement jodi a ta supposé gagner en assemblée nationale nous ta souhaité que assemblée nationale la li fête et que cette semaine même eh ben nous ta capable finir avec cette page pour que nous capable aller dans nouvelle page avec un gouvernement légitime qui pour commencer à adresser les grandes questions de l'heure, qui pour commencer à résoudre une série de problèmes qui est Mdakadou face à problèmes ça et ben pays a vraiment en difficulté. Parlement dit pas il fait temps passé, tout problème dans l'exécutif bon, là pas fouiller document aller. Écoutez, donc jodia et m'croit document ça yo yo acheminé depuis pour dossier ministre et ça depuis semaine écoulée. OK? Document yo acheminé jodi a mercredi ça déjà fait 3 jours dans semaine là me pensais que jodi a li clair et net pour que parlement aille plus vite en besoin et pour que yo capable arriver à la ratification de la déclaration de politique générale du premier ministre ça déjà fait presque un mois de nomination qui fait que nous chambre députée a les mêmes d'après constitution bon, moi même c'est première fois moi ça tout côté après nomination premier ministre il y a nous mettait tout temps ça tout pour que premier ministre soit capable de présenter au niveau du parlement parce que dans tout temps passé yo et tractation pour monter gouvernement et m'daka dit temps pour parlement faire invitation et vraiment ça là on tire corps qui bat parce que trop de temps est passé sous cause de ça. OK, moi tout président république là convoqué le corps législatif à l'extraordinaire tout à fait. Avec hier un menu spécial hier qui était 11 septembre et président lui fait et convocation à l'extraordinaire et du corps législatif. Et donc on c'est vrai le Sénat travaille en permanence mais ou pas capable faire chambre députée à retourner vite travail sans et pas gagner et tout corps législatif là qui convoqué dans une assemblée extraordinaire qui pour permettre que yo prend connaissance de menu convocation et pour commencer travail sur lui. C'était conseiller spécial président République l'ange Charles Faustin. Président République l'ange Jovenel Moïse a recevoir mercredi 12 septembre 2018 l'an en palais national les créances 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. C'est ambassadeur Pedro José Sanz Serang pour Royaume d'Espagne, Geneviève Fiederspiel-Sain pour Confédération la Suisse et José Gomez pour République française en Haïti. Ambassadeur Royaume d'Espagne l'an Pedro José Sanz Serang n'a été intervention dit Espagne a continué coopérer à Haïti dans le domaine éducation, pêche de l'eau potable à assainissement. Nous sommes présents depuis très longtemps là. Nous allons continuer ce qu'on fait avec et la coopération, veut dire la participation des parties. Alors nous comptons toujours sur la partie haïtienne pour la formulation des programmes et des projets. Et nous continuerons ce que nous faisons jusqu'à maintenant. Et avec des grands projets de l'eau, d'assainissement de l'eau, qui est un grand programme qui se déroule depuis beaucoup d'années dans les pays, dans plus de 30 villes. On est présent avec des grandes œuvres, travaux publics d'assainissement pour l'eau potable, pour l'eau pour les villes, pour les citoyens.
et aussi dans le secteur productif, dans l'agriculture, la pêche, l'environnement, dans le secteur aussi de l'éducation. On est toujours là et on va continuer avec la même confiance et optimisme avec lequel nous avons travaillé pendant les années dernières. L'Haïti est un pays prioritaire pour l'Espagne. Il est décrit dans notre programme triennal des coopérations comme un pays prioritaire. Ça va continuer comme ça. C'était ambassadeur Royaume d'Espagne, Pedro José Sanz-Ocera. Ambassadeur Confédération Suisse accrédité en Haïti en Geneviève, Federspielsein, Subopaldi, pays la Suisse, pour coopérer avec Haïti à travers stratégie 2018-2021 qui pourrait définir en fonction priorité population haïtienne là, notamment dans le domaine gouvernance territoriale, développement rural et culturel. Les champs de coopération s'alignent à la stratégie de la coopération qu'on a définie pour 2018 à 2021. Donc, c'est des champs de coopération qui s'alignent à la priorité du pays. Et dans ce sens-là, la Suisse, elle va continuer l'appui à culture va toujours être une priorité pour l'ambassade parce qu'on pense que la culture, c'est très important pour faire avancer une société. Et puis la culture haïtienne, elle est particulièrement intéressante. Et dans ce sens-là, sans doute, on va continuer à appuyer la culture. Donc, on travaille sur le développement rural. On est surtout dans la région du Sud. On travaille sur réduire les risques. On travaille sur le développement économique local. Et on travaille surtout aussi sur la gouvernance territoriale. Ambassadeur Confédération la Suisse accrédité en Haïti en Geneviève Federspielsein. Ambassadeur pays la France là José Gomez fait connaître République française là pral coopérer à Haïti dans domaine éducation, état de droit, loi monde et changement climatique. La coopération française va se concentrer sur des secteurs où elle a une véritable valeur ajoutée par rapport à d'autres coopérations internationales. Et des secteurs qui correspondent, je crois, à des besoins très profonds de la société haïtienne. Ces secteurs, c'est par exemple le secteur de l'éducation. La jeunesse a besoin d'être éduquée pour avoir un avenir meilleur. Donc nous allons travailler dans l'éducation fondamentale, l'éducation technique et même à l'université, puisque c'est à l'université qu'on forme les maîtres et les professeurs. Dans tous ces domaines, nous allons travailler avec les institutions dominicaines, haïtienne, pardon, avec le ministère de l'éducation de votre pays. Nous allons travailler aussi beaucoup sur le renforcement des capacités de l'État haïtien, les capacités à gérer. Nous allons travailler sur la déconcentration aussi pour renforcer l'administration, renforcer aussi l'État de droit et renforcer également les droits de l'homme et les institutions qui les défendent. Et enfin, nous sommes très intéressés à développer notre coopération avec Haïti dans le domaine du changement climatique, puisque les Haïtiens ne sont pour rien dans le changement climatique. Vous émettez peu de gaz à effet de serre. En revanche, Haïti subit gravement les effets du réchauffement climatique. Donc nous allons essayer de travailler avec vous sur des thèmes de réponse et d'adaptation au changement climatique. Donc j'ai eu un entretien approfondi avec le président Jovenel Moïse, un entretien je crois très chaleureux, et nous avons pu constater que vraiment il y avait une cohérence de nos points de vue, une convergence de nos points de vue sur beaucoup de sujets. Le président Hollande avait en effet promis une aide à l'éducation de 50 millions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, alors que les 5 années ne sont pas du tout écoulées, c'était 2015-2020, nous avons déjà engagé 37 millions. Donc les engagements du président de la République française ont été tenus et sont en train d'être tenus. Nous développons une coopération très intense pour, je le répète, renforcer la qualité de l'éducation en Haïti, renforcer notamment l'apprentissage du français et du créole qui doivent aller la main dans la main. Et puis nous intervenons aussi, comme je vous l'ai dit, dans l'éducation technique. Nous allons développer un enseignement sur les métiers de l'eau
parce qu'il y a un problème de l'eau ici. Donc il y aura des techniciens haïtiens dans le domaine de l'eau. Nous allons développer aussi des techniciens dans le domaine de l'automobile, de la mécanique automobile et de l'électronique automobile, dans le domaine agricole aussi. Donc nous sommes très actifs dans ce domaine et les engagements qui ont été pris sont tenus. Ces engagements aussi vont être tenus. Nous y travaillons. Au autre côté, ambassadeur pays de la France, Lan José Gomez. 6h35 minutes, information à continuer. Office Protection Citoyen lancé officiellement. Deuxième édition concours texte à reportage audiovisuel sous droit Moon. Pour commémorer 70e anniversaire adoption, déclaration universelle droit Moon, 10 décembre, Cap Vinila. Dans une conférence pour la presse mercredi 12 septembre, blanc, protecteur citoyen Renan Edouville a fait connaître ses catégories presse, étudiants et élèves nouveaux secondaires 1 à 4 qui sont capables de participer dans le concours. Conformément à sa mission consistant à promouvoir les droits de l'homme, les droits humains, les droits de la personne, nous avons le plaisir de lancer la deuxième édition du concours de texte des droits humains pour cette année. Pour la deuxième édition, il faut dire que ce sera pratiquement le même format. Pour la deuxième édition que nous sommes en train de lancer, eh bien, c'est le même format qui a été établi, avec bien évidemment certaines particularités. Cette édition, l'édition de 2018, sera certainement centrée sur la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous savez très bien, aussi bien que moi, que cette année, l'humanité tout entière s'apprête à commémorer, nous ne disons pas célébrer, on s'apprête plutôt à commémorer l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait face à de nombreux défis. Donc, la deuxième édition sera centrée autour de l'adoption de la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais nous votons qui gagne à ça, nous avons une troisième catégorie que nous estimons qui est fondamentale, importante pour l'OPC. Nous sommes capables de dire que c'est un bras important pour l'OPC. Nous voulons parler de le secteur de la presse. Et c'est pourquoi, de concert avec certains amis de la presse, qui sont aussi des amis de l'OPC, nous destiner concours à voilà, destiner également à de jeunes journalistes, nous pouvons dire entre 18 et 35 ans. Pour les journalistes, nous comptons proposer deux types de sujets. Youn, c'est comment la presse ouait un partenariat entre la presse et l'OPC. Et le deuxième sujet pour le niveau presse, le niveau A que nous venons, eh bien, c'est demander à ce que le journaliste qui travaille dans la radio, ou bien qui travaille dans la télévision, ou bien qui écrit dans le journal, pour faire un reportage sur la question de droit, quelle que soit la question de droit. Et pour le niveau PA, qui c'est étudiant mémorant, étudiant licencié, étudiant qui est en deuxième, troisième, quatrième année, Anessa, nous gagnons trois, quatre sujets que nous allons proposer. Alors, premier sujet a, en rapport avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 70 ans après, un sujet qui portait sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, étudiant l'autre. Bon sujet à tout que nous proposer pour étudiant l'autre, c'est sur la question de langue créole. Nous demandons étudiant l'autre, nous allons dire sujet à nous, pour qui ça que créole avec français, pas capable sous même pied d'égalité, malgré que dans le pays, il y a un bureau secrétaire d'État alphabétisation, malgré qu'il y a un bureau académie langue créole. Donc, mon troisième sujet, tout, que nous avons dit pour nous tout de suite, sujet ça, il mettait accent sur le droit de travail. Et son sujet que nous élaboré de concert avec nos amis syndicalistes qui sont toujours très intéressés à ça, on peut faire. Ils font tous deux concerts avec des organisations de femmes que nous tentons d'occupation. Et bien, sujet ça, mettez accent
sur la protection sociale des femmes travailleuses. Je pense que le docteur Tello, qui c'est une dame qui consacre toute ville à la question de protection sociale, là, très content, eh bien, sujet à lui demander comment peut-on garantir la protection sociale des femmes travailleuses en Haïti. Alors, même si des femmes travailleuses, là, nous identifions des catégories bien spécifiques. Travailleuses agricoles, femmes qui travaillent dehors, dans le jardin. Les travailleuses domestiques, que vous avez le plus souvent, bonnes servantes, dans le langage péjoratif, la canne. Les marchandes ambulantes, ça que vous avez dans le langage créole, là, je ne vais pas me moi, marchandes domaines. Et puis, une quatrième catégorie, qui est négligeable dans la société, mais que l'économiste qui est dans la salle est capable d'accord avec moi, qui s'est pilié de l'économie nationale là, c'est ça qui est le matin ça. Nous avons sorti en dehors, dans le nord, dans la danse, dans le sud, dans la Tibonite, Keskov, qui sous tête camion, et le plus souvent camion qu'on chavire avec eux parce que nous avons le transport public, c'est même le transport public qui côté nous, c'est côté marchandise. Donc nous avons un sujet sur ça. Comment l'État peut-on garantir, comment l'État doit garantir la protection sociale en faveur des travailleuses agricoles, des marchandes ambulantes, des madames Sarah et des travailleuses domestiques. Et quatrième sujet nous avons pour étudiants, eh bien, son sujet sur le phénomène de la traite. Encore, je rejoins mon allié de toujours, le docteur Émile Tello, en tant que président du Comité national de lutte contre la traite des personnes. Nous connaissons le phénomène de traite là, c'est un phénomène qui prend un pile balai de lit, avec conséquences néfastes que l'a développé. Et Anessa, l'année dernière, nous n'avons pas gagné, mais Anessa, nous avons un sujet qui portait effectivement sur le phénomène de la traite des personnes. Ça, c'est pour les étudiants. Et maintenant, pour les écoliers, que y aurait les NS1 à NS4, dans le langage moderne du ministère de l'Éducation nationale, là, nous avons deux sujets que le directeur Jules a dit pour nous textuellement. Youn, nous demandons à Timounio, comment Timounio est capable et doit contribuer à la protection et à la défense des droits humains. Comment Timounio est capable d'embrasser la bataille pour faire respecter les droits humains dans le pays. C'est un sujet pour Timounio l'école. Et le deuxième sujet, pour les écoliers et les écolières, c'est un sujet qui fait d'actualité depuis plusieurs années, plusieurs mois, un peu partout en Haïti. Et bien, sujet pour Timounio l'école, le tout son sujet qui portait sur ça que d'orilait les nouvelles technologies de l'information et de la communication, particulièrement l'Internet, réseaux sociaux, etc. Donc, nous demandons élèves l'école pour nous dire, à travers nos sujets, comment que nous-mêmes, en tant que jeunes Timounio qui apprentis, écoliers, écolières, comment que nous estimons que nous sommes capables d'utiliser Internet là à des fins positives, qui est capable de permettre d'avancer sur le plan éducatif, mais pas utiliser l'Internet là, mais capable à des fins destructives. OTAP, côté protecteur citoyen Renan Edouville. Directeur promotion de mon office protection citoyen Jude Jean-Pierre Soubopal fait connaître tout intéressé ou capable de déposer travail au sorti 13 septembre pour arriver 19 octobre 2018. Jude Jean-Pierre dit que c'est catégorie journaliste qui dans l'âge à 18 à 35 ans qui est capable de participer dans la deuxième édition concours texte à reportage audiovisuel. Concours là, nous ouvrons officiellement, jeudi, dès jeudi 13 septembre jusqu'au 19 septembre, octobre, jeudi 13 septembre jusqu'au 19 octobre. Tout le monde qui est intéressé à concours là est capable de vous mettre sur tout email ça, qui c'est concours opchaiti@commercialgmail.com. Concours c'est en français avec S, opchaiti. À commercial gmail.com. Vous êtes capable de passer dans le local OPC. Comme OPC dans deux locales, vous avez un bureau central là qui dans 381 route de Bourdon, ou bien vous êtes capable de passer dans toujours ce local OPC qui est dans la salle d'annexe, 145 avenue John Baron dans l'U, pour déposer, vous qui pas avec sa email, vous qui en région, vous êtes capable de contacter agent OPC qui dans la ville côté Oya ou bien qui est plus près
pour acheminer texte ou bien reportage. Toujours dans le calendrier, samedi 20 octobre jusqu'au 26 octobre, c'est des sous-charges parce que la correction a fait en tout anonymat parce que le correcteur n'a pas connu qui texte a corrigé. Samedi 27 octobre jusqu'au 10 novembre, correction, l'IA prend fin la date 10 novembre et la commencé le 27 octobre. Mardi 13 novembre, publication des présélectionnés. Nous disons présélectionnés parce que nous n'avons pas seulement accès sur ce texte-là pour nous primer ou bien choisir le réel. Nous avons passé en phase d'audition pour nous voir est-ce que c'est lui-même qui écrit le texte-là, est-ce qu'il maîtrise le sujet-là et Julie a bien proposé quelques questions. Le 15, donc au moins 10 minutes, jusqu'au 15 novembre jusqu'au 23 novembre, a bien entretien avec présélectionneur que nous les phases d'audition. 29 novembre, la rend public et nous communiqué à la presse l'OREAE et nous communiqué officiellement à l'OREAE. Et le 4 décembre, nous avons une rencontre préparatoire avec les lauréats. Et le 10 décembre, comme c'est en perspective pour commémorer 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont Haïti, non seulement signataire, était participé dans le comité de rédaction avec la participation de l'ambassadeur Émile Saint-Lô, il est de bon temps que l'OPC, en tant qu'institution nationale de promotion de protection des droits de l'homme, commémore avec la plus grande solennité événement ça et nous réitérer deuxième édition. Au autre côté, directeur promotion droit monde office protection citoyen Jude Jean-Pierre 6h45 minutes n'a propose. Depuis 25 ans nous camper pour bay pays à bon service. La référence, ma préférence, pour bon banque pays. Unibank. En toute confiance, toute assurance, t'as levé des filles. C'est une promesse d'avoir vos intérêts comme seul boussole. Unibank. En 25 ans, nous avons construit ensemble la première banque d'Haïti. Marche pas marche, nous prenons le monté. D'abord, ça cache parce que nous tous côtés. C'est l'expérience qui fait nous pas tomber. La transparence, on continue à frapper. Unibank. La meilleure banque d'Haïti, où il travaille ça. 25 ans de performance, 25 ans de leadership. Depuis nous faire route là ensemble, nous papiter. Même côté pour aller, même côté pour aller. Unibank, faisons route ensemble. Non, il n'aime tant de nouvelles là, sous il n'aime tant de paroles là. Nouvelle natif natale sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yo expérience natif natale. 6h48 minutes, information va continuer. Rectorat Université Kiskeya a présenté mercredi 12 septembre 2018 le rapport sur document qui portait nom Zéro fin pour Haïti. Auteur document Zéro fin pour Haïti en professeur Michel Chancy, dans l'intervention le fait qu'on ait dégradation Goodlan par rapport à dollar américain la cause plus insuffisance alimentaire dans le pays. Michel Chancy qui dit insécurité alimentaire l'incapable la cause divers problèmes dans la vie monde encourager et jeunes yo li document ça en façon pour arriver comprendre dynamique insécurité alimentaire là professeur Michel Chancy souhaitait secteur agricole l'enjoindre plus encadrement bon côté instances concernées nous même dans l'université Kiskeya nous participer dans réflexion globale là mais surtout dans toute proposition qui vient pour avec secteur agricole là. C'est pour ça que j'ai sollicité nous, montons une équipe de recherche pour travailler sur proposition ça yo et document beaucoup plus large que ça. M'a fait quand même une présentation générale de tout document parce que même si partie agricole là nous a dit c'est poteau mitant et t'as dit document stratégie mais gain des autres aspects qui étaient général parce que l'agriculture c'est pas seul pays problème qui gagne dans pays et c'est pas l'agriculture qui résout tout problème qui gagne dans pays mais malgré j'en nous parle que c'est peut-être le secteur qui a un potentiel pour être capable d'avoir une influence énorme sur la politique du pays. Alors,
Jean-Louis Nassitlan, nous parlait de politique et stratégie nationale de souveraineté, sécurité alimentaire et de nutrition. Donc, il y a trois mots-clés là. Nous avons dit souveraineté. Rapidement, on a parlé de souveraineté par rapport à l'alimentation. C'est droit que chaque peuple gagne pour décider lui-même qui ça voulait manger, comment il voulait nourrir tête li, et en général, qui chita sous la production nationale. Sécurité alimentaire, son concept, rapidement, qui t'a dit, c'est droit pour que tout le monde joigne quantité manger et qualité manger qui nécessaire à besoin li, et manger qui rentre dans le choix culturel li, pour me résumer. Et là, on a parlé de nutrition, on a parlé de équilibre alimentaire, ça veut dire, c'est pas manger pour manger. Si nous avons en particulier besoin d'un équilibre en termes de vitamines, de minéraux, de protéines, on a parlé donc de qualité. Donc, en politique nationale de souveraineté et sécurité alimentaire, finalement, c'est toute mesure que tout gouvernement du monde prend pour assurer. Et stratégie, c'est comment il va mettre en œuvre des programmes pour arriver à l'objectif ça. Qui, objectif simple, c'est que faut tout le monde manger bien, et que capable de décider ça y a pour manger, parce que manger c'est le premier besoin que nous-mêmes comme nous gagnons. En fait, l'idée pour gagner une stratégie nationale, c'est une démarche mondiale. Haïti fait partie d'un grand nombre de pays qui décident pour atteindre une série d'objectifs de développement. Et il y a un plus gros objectif là, qui c'est l'objectif numéro 2. Eh bien, il y a pour les ouais, justement avec question de manger, de sécurité alimentaire. Donc, objectif de ça, Haïti été souscrit pour lui atteindre, c'est-à-dire réduire l'affaire Gangoua à zéro. Et avec un série de partenaires, donc internationaux, tout, donc, nous venons entrer dans le processus pour nous doter nous de stratégie ça. Alors, il faut me dire nous que, en fait, le processus ça, il est rentré, on t'a dit, dans la continuité. Et en continuité de préoccupations qui existaient au niveau nation, au niveau d'institutions nationales, qui commençaient depuis, on t'a dit, mise en place de coordination nationale de sécurité alimentaire en 1996 et qui te permettent d'aboutir à un premier plan national de sécurité alimentaire. En 2010, CNSA a fait une mise à jour de plan ça et qui va permettre ensuite que nous gagnions des références nationales. Et qui fait que en 2012, si nous songeons, t'es venu gagner prix du riz qui t'es venu monter, le gouvernement d'alors t'es monté en commission nationale pour travailler sous question stabilisation prix. Et au même moment tout, au niveau du ministère de santé publique, il était adhéré et il était élaboré un plan national de nutrition. Ensuite, en 2013, vient gagner les assises régionales de la sécurité alimentaire que CNSA également t'es organisé avec l'ensemble de partenaires. Et puis finalement, en 2016, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a adopté une politique nationale pour l'alimentation scolaire. Et c'est comme ça que Yovin travaille sur une première ébauche en 2016 de plan national de sécurité alimentaire et de nutrition. Et finalement, en 2017, gagné en constitution de task force qui constitue un paquet d'institutions et national et des partenaires internationaux, et c'est le surtout que va faire appel à l'université Kiskeya pour constituer une équipe de recherche pour finaliser plan ça. Donc c'est pas une démarche nouvelle, non sens nous capable de voir une certaine continuité et dans l'état dans élaboration d'une série de documents stratégiques, bien sûr une continuité dans l'état tout pour ne pas appliquer ce qu'il y a dans ces documents. Bon, ça c'est l'autre débat. Mais gagner on une réflexion qui est très longue, qui est très ancienne, sur la question de sécurité nationale, sécurité alimentaire. Ça. Et nous sommes supposés arriver en 2018 à la présentation du document final. Donc, c'est nous embarquer en tant qu'institution récemment dans le processus. Là, mais c'était un moment qui était très important parce que c'est le moment où nous avons défini, principalement pour l'agriculture, une série de propositions. Ou t'a pas écouté professeur Michel Chancy, qui lui-même présentait dans le rectorat université de Kiskeya un document qui portait non zéro fin pour Haïti. Non,
6h55, quatrième sortie, nouvelle natif natale arrivée dans Boutli, rappelle-t-il. Députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale mercredi 12 septembre sous convocation président République Jovenel Moïse pour l'ouvrir session extraordinaire dans l'année législative là pour statuer sous déclaration politique générale premier ministre nommé Jean Rayséan. 21 sénateurs et 63 députés ont participé dans la séance en Assemblée nationale. Là. Président République la Jovenel Moïse recevoir dans le Palais national mercredi 12 septembre 2018 l'an lettre créant trois nouveaux ambassadeurs. C'est ambassadeur pays Espagne avec la Suisse et France. Office Protection Citoyen lancé mercredi 12 septembre en deuxième édition concours texte avec reportage audiovisuel sous Droit Monde pour commémorer 70e anniversaire adoption déclaration universelle Droit Monde 10 décembre Cap Vinila. Journaliste, étudiant, élève NS1 à 4, ces catégories qui sont capables de participer dans le concours intéressé au gain sorti 13 septembre pour arriver 19 octobre pour déposer travail selon directeur promotion Droit Monde au PCA, Jude Jean-Pierre. C'est sous notre ça, nous mettons en bout de notre quatrième sortie, nouvelle natif natale là pour semaine là. Restez branchés radio dans quelques minutes, c'est pour la prévision astrologique et plus d'informations sportives à travers matinée natif natale là. C'est droit vous connaissez son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires d'information, Radio Guinée, pas la boule de qui sans monde vle dit, ni au dit, ni changé sans monde dit. Nous faut entendre moun qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journaliste nous yon pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est ou pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ce qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. Ou mettre quoi nous dans les affaires d'information. Fondation Digicel retourne avec Combit pour changement. Pour continuer à aider à mettre sous pied projet dans quatre coins du pays d'Haïti. L'année dernière, nous avons supporté 10 projets. Nous avons supporté 11. L'année ça, nous avons supporté 15. 15 projets, oui. Et nous avons choisi un projet pour Pipiti dans chaque département. Et chaque organisation gagnante a recevoir une subvention de 700 000 gouttes. Pour capable de participer, il faut que le projet entre dans la catégorie ça. Éducation, Kilti, prévention catastrophe naturelle, inclusion ou quel que soit projet qui est utile à la communauté que tu as vivre. Sous son organisation qui a fonctionné en Haïti et qui est enregistrée, vous avez une application pour inscrire sur www.fondationdigicelhaiti.org ou bien passer dans n'importe quel magasin Digicel. Lorsqu'on soumet le projet, nous avons évalué pour nous voir si nous avons choisi. Qui donc passer inscrit jeudi à même parce que date limite là, c'est le 8 août. N'a dit qui projet qui passait dans la deuxième phase le 12 septembre et n'a annoncé toute finalisation le 15 janvier. Nous donnez, venez participer dans la deuxième édition Combite pour changement parce que dans la Fondation Digicel, n'a travaillé pour nous bailler tout le monde une chance. 700 000 gouttes, venez inscrire. Sauf là toujours, allez inscrire. 700 000 gouttes, vous êtes Fondation Digicel a fait connaître que date limite pour soumettre projet Combit pour changement yo reporté pour 31 août. Pour plus d'informations, montez sous www.fondationdigicelhaiti.org. Depuis ou gen la santé, ou gen la vie. C'était un engagement li te prend depuis dans l'année 1976 pour livrer la santé au monté avec un bon recharge vitamine. Malta acheté une boisson classique qui fait avec bon principe tant longtemps. En bas, une nouvelle étiquette qui voulait parler à verre. L'inamitant toute famille. C'est comme ça nous passer plusieurs récoltes pitimi pendant nous toujours respecter même recette. Malta H hier, Malta H jeudi. C'est seul Malta qui brasse dans la coupe d'Haïti. Avec bon pitimi pays. C'est toujours même vitamine qui bon pour connu, pour zone. Mariac même petit goût caramel là qui sorti dans mélange ingrédients 100% naturel. C'est même Malta H pour là ou même prix 40 goud là. La santé pas gagné.
pour bay santé au renfort chaque jour vive avec Malta H. Bienvenue dans l'ISA. Mon cher, si vous connaissez mon petit bolet, pour le moins, si vous avez un melon, pas qu'à toucher, non? Oh, t'es pour un jeune mauvais banque, c'est ça qui a toujours eu, oui? Mathieu, vous m'avez touché, mais saisi. Pour t'aller en laver. Qui ça? Vous rachez, mon cher. Attendez, tout bon joueur bolet qu'on est, c'est dans l'ISA l'auto pour vous jouer. Avec l'ISA, pas qu'il perdit fiche. Fiche bolet ou tout sous téléphone ou. Bon, même si vous avez perdu téléphone, non, vous le sortez, vous avez touché quand même. Oh, comment vous jouez dans l'ISA l'auto? Avec l'ISA, vous pouvez jouer n'importe jouet. Mais pour bolet là, on y prend téléphone ou fait étoile 8 8 2 étoile. Boulou ap jouer à étoile. Quand tu es comme jouer à jazz, vous allez aller. Et tout cher. Sans gratter tête, mon cher. Ou qu'à toucher dans les portes bureau mon cash ou soit Soge Express qui baille service l'ISA l'auto. Sac pi bel là, moun pap qu'on a fait. Pas que gratter tête, l'homme je bolet. Fait 8 8 8, fait vite vite vite. Mami. Ou pas sorti matin parce que c'était oui. Tant moi non petit, m'pas mettre tête moi. Femme konn ki jan journée m'bral passer et puis faut m'prend horoscope moi tout. Femme konn a ki moun bral rencontrer et puis gon bagay de yo a tirer les millions. Femme konn ki boule chance moi. Ah et bien mami, ou font rêve hier soir. M'pas faire aucun rêve. Chaque matin c'était à horoscope Guinée, m'toujours prend boule chance moi. Pas gen moun k'ap fait m'quitter la caille moi avant c'était. Oh oh. Met kay me konya la force me sorti kay te cause ça Zanmi Astral, yo, bonjour pour nous toutes. Nous comptons servir au matin encore. Prévision astrologique yo, à travers Horoscope Guinée. Et c'est toujours Chesley Jean-Baptiste avec moi-même Fedia Sama qui l'a pour servir. Bonjour Chesley. Bonjour Sama. Bonjour tout le monde. N'a pas démarré avec natif Bélier qui fête sorti 21 mars pour arriver 20 avril. Bélier, je dis en l'ipi bon pour vous si vous été lucide pour capable pas déçu après. Pas regrette le fait que vous mettez fin à une relation qui t'a pas dévoré cœur avec lenteur. Nouvelle Astralio pour vous, vous avez une belle assurance et vous devez sentir à l'aise pour surmonter obstacles. Donc, parfois, vous avez besoin de tant de monde qui a bon conseil. Numéro chanceux, c'est 12. Couleur pour jaune, c'est jaune. Puis bon moment pour 8 heures. Non, à souhait, vous avez une chance avec un natif scorpion. Taureau, c'est mon qui fête 21 avril pour arriver 21 mai. Taureau, bravo pour rigueur, mais pas aller trop loin pour pas déranger collaborateur yo. Nouvelle Astralio pour ou envisager vivre à deux, c'est vrai. Eh bien, ou doit poser première pierre là pour capable construire foyer ou solidement. Numéro chanceau, c'est 14, couleur port bleu. Puis bon moment pour 10 journées à souhait, mon chanceau, c'est un natif verso. Et Gémeaux, c'est monde qui fête sorti 22 mai pour arriver 21 juin. Gémeaux, jodi an ou gen yon vitesse de croisière qui a prend envie grâce à intelligence. Alors, pas fait bac, foncez. Nouvelle Astralio pour vous, ou a débordé avec enthousiasme et tout le monde pral adorer, mais gen action ou besoin bien réfléchi avant ou entamer, surtout éviter faire promesse. Numéro chanceux, c'est 34, couleur pour aujourd'hui, c'est rose. Puis bon moment pour 8 heures, non à souhait, ou à bien chance avec un natif poisson. Cancer, c'est mon qui est fait 22 juin pour arriver 23 juillet. Cancer, pas mettre charge ou pas mettre problème ou sous de l'autre monde pour capable rendre compte de erreur yo pour pas recommencer encore. Nouvelle Astralio pour entourage ou admirer ou en pile. Numéro chanceux 42. Couleur pour mauve, puis bon moment pour 6 heures à souhait. Bélier, c'est mon ouab qui chance avec les jeudi. Thank you.
Et c'est au fait, sorti 24 juillet pour arriver 23 août, natif ou c'est Lyon. Lyon, on a une phase côté que Gamoun qui a essayé de faire déprimer. Mais si vous expliquez parfois, ou permettre que vous-même vous changez l'idée à propos de situation. Nouvelle Australie pour vous, vous pouvez le sentir bien à l'aise dans l'environnement professionnel ou fait preuve de convivialité avec sens de pratique. C'est des qualités essentielles pour débloquer certaines situations. Numéro chanceau 38. Couleur pour aujourd'hui en sévère. Puis bon moment pour 8 heures dans le matin. Ou bien chance avec yon natif balance. Vierge, c'est mon qui fête 24 août pour arriver 23 septembre. Vierge, ou parler trop. Et pour rien qui est nécessaire. Nouvelle Australie pour vous, en pile monde pour le montrer que vous aimez aujourd'hui. Numéro chanson 6, couleur bleu. Puis bon moment pour 9 heures dans le matin. Mon chanson, c'est un natif Capricorne. Et c'est au fait, sorti 24 septembre pour arriver 23 octobre, natif ou c'est balance. Balance, pas quitter cœur ou primer sous raison. Ou besoin, fait le point sous ça ou vraiment envie changer. Nouvelle Australie pour vous, pas hésiter à lancer ou dans un nouveau projet, nouvelles idées pour vous. Tellement génial, il est capable de faire succès. Numéro chanceux 47, couleur pour aujourd'hui en rouge. Puis bon moment pour 11 heures dans la soirée, ou bien chance avec un natif bélier. Scorpion, c'est mon qui fête 24 octobre pour arriver 22 novembre. Scorpion, je dis en vous pour exprimer librement. Nouvelle Australie pour vous, pas faire rien pour fâcher, je dis en. Numéro chanceau, c'est 38, couleur port blanc. Puis bon moment pour vous, c'est 6 heures en souhait. Mon chanceau, c'est un natif cancer. Sagittaire, c'est monde qui fête sorti 23 novembre pour arriver 21 décembre. Sagittaire, gen moun entourage ou ka pese pese ou, gen ti moun yo tout pa privé comprend aujourd'hui. Et résultat, ou besoin prend yon recul, rete seul pour bay tête ou l'autre orientation. Nouvelle Australie, les difficiles pour faire des actions efficaces, on dirait que ou pas gain chance, mais pas perdu la face, mettez devant projet que au pyramide et profiter réaliser ancien rêve ou yo. Numéro chanceux c'est 44, couleur pour aujourd'hui c'est beige. Puis bon moment pour vous, 2 heures non après-midi, ou gain chance à qu'un natif Lion. Capricorne, c'est mon qui fête 22 décembre pour arriver 20 janvier. Capricorne, capacité que vous gagnez pour travail et après l'aider en pile. Nouvelle Australie pour l'amour pral pour se fait en pile bon bagay jodi. Numéro chanceux c'est 30, couleur pour vert, puis bon moment pour 9 heures dans le matin. Ou abge chance avec un natif taureau. Et si vous faites sorti 21 janvier pour arriver 19 février, natif ou c'est verso. Verso, si vous êtes en couple, tout bagaille prale bien. Et partenaire la prale coûte et la accepte l'idée changement que vous gagnez et paix avec harmonie apprenez la caillou. Nouvelle Australie pour vous. Essayez de modifier attitude ou l'ambiance courriéant n'est pas fine correcte, donc vous avez besoin de prendre compte observation qui a permet que ou changer surtout gain quelques avertissements qui peut arriver bon côté. Numéro chanceau 28, couleur c'est orange. Puis bon moment pour 7 heures na souhait, mon chanceau c'est yon natif Gémeaux. On a fini avec Poisson, qui c'est mon qui fête 20 février pour arriver 20 mars. Poisson, pas quitter une série de réflexions concernant projet ou yo intimidé. Nouvelle Australie pour l'ouvrir cœur, Poisson, moment arrivé pour engager on a une relation qui a duré pour longtemps. Numéro chanceux c'est 48, que le port orange, puis bon moment pour 2 heures dans l'après-midi. Mon chanceux c'est un natif Gémeaux. La pensée de Maître Abraham Michael Ivanov qui nous parle des origines de la guerre. Maître Abraham nous dit que les guerres ont leur origine dans le plan psychique. Qu'est-ce qu'une guerre?
C'est un déséquilibre qui se produit dans la balance de la vie. Sur un plateau de cette balance, des hommes, des pays ont mis leur rancune, leur ambition, leur avidité, sans rien placer sur l'autre plateau pour faire contrepoids. Il arrive alors un moment où la disproportion est telle que la violence l'emporte. Il est bien sûr impossible d'empêcher les malentendus, les affrontements entre les individus ou les peuples. Mais pourquoi le plateau négatif de la balance doit-il pencher jusqu'au point où une guerre finit par éclater? Et une fois que les hostilités sont déclenchées, des ministres, des ambassadeurs, des chefs d'État se réunissent, emportent le problème devant l'ONU, etc. Mais c'est un peu tard. La science initiatique enseigne qu'avant qu'une guerre n'éclate dans le plan physique, elle a déjà été déclarée en gros dans le plan psychique. Ce sont les entités psychiques collectives, les égrégores des pays qui se font la guerre. Les humains ne mesurent pas la puissance de leurs pensées et de leurs sentiments. Quand trop d'incompréhensions, de rancunes s'accumulent dans le plan psychique, fatalement un jour, les actes suivent. Les actes sont toujours la conséquence des pensées et des sentiments. Rapidement, Maître Mrampale nous maintient de l'origine de la guerre. Lui expliquez-nous, guerre l'an l'y construit d'abord dans le plan psychique avant que même l'y vienne fait dans le plan physique. Nous connaissons à qui la guerre, c'est des mondes, des nations qui quand mettent ensemble, donc ils ont fait la guerre, ils ont l'autre pour un bagaille qui n'a pas fait une ou l'autre plaisir. Donc, amis auditeurs, maintien, Maître Mrampale, conseillez-nous, nous besoin contrôler penser, nous contrôler qui ça n'a réfléchi. Parce que quel que soit ça ou réfléchi dans le plan psychique, le plan astral, libéral, logique dans le plan physique. Là. Donc, si on pense bon bagaille, on a une bonne action. Mais si on pense la guerre, on pense violence, donc c'est eux qui a produit dans le plan physique et pas oublié, la guerre ne fait que détruire à leurs amis auditeurs. L'important, pour nous chaque, nous apprendre, contrôler, pensez-nous. Jeudi, c'est journée mondiale programmeur avec développeur qui paye et qui non, cap fêter jeudi, c'est aimer, amer avec amant. Mais non, déjà sous 256e jour dans l'année, arrêtez donc 109 jours pour l'année finie, non toujours sous 37e semaine. Et qui ça qui t'est passé yon jou tant qu'aujourd'hui qui c'est 13 septembre. N'a pas fini pour nous dire que ou doit toujours songer ou non saison cyclonique pas oublier mot de la femme à garçon une paré pour aider l'autre si toutefois nous remarquer gain en catastrophe naturelle et ou même cap fait capitaine embarcation aujourd'hui hein ou doit faire ça toujours avec un peu de prudence c'est mettre corps qui veille corps et moment arrivé pour nous quitter avec Gina Del Augustin et Wisner Chal qui déjà là pour porter pour vous information sportive. Quant à moi-même, à Chesline, je vous passe une bonne journée. Bonne journée en compagnie Radio Guinée. Bonne journée tout le monde, bonne journée Chesline. Bonne journée Sama, bonne journée tout le monde. Mami, ou pas sorti matin, parce que c'était oui. Tant moi non petit, m'pa mettre tête moi. Faut me connait qui Jean journée m'bra le passer et puis faut me prendre horoscope moi tout. Faut me connait qui moun m'bra le rencontrer et puis gon bagaille de yo a tirer les millions. Faut me connait qui boule chance moi. Ah et bien mami, au fond rêve hier soir, m'pa faire aucun rêve. Chaque matin 7h à horoscope Guinée, m'toujours prendre boule chance moi. Pas gen moun k'ap faire me quitter la caille moi avant 7h. Oh. Met kay me konya n'a forcé me sorti kay te causé ça
Radio Télé Guinée, c'est One Centre. Tout jouet, toute équipe, toute catégorie voulait jouer sous lui. Radio Télé Guinée respecte les règles là. Il pas attaquant, il pas qu'à bagol pour. Il pas demi, il pas qu'à mener jouet pour. Il pas défenseur, il pas qu'à barrer attaque pour. Il pas gardien, il pas qu'à barrer goal pour. Il pas fanatique, pas mandel pour chauffer équipe ou ni relé chal barré pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe ou c'est où pour choisir équipe ou. Radio Télé Guinée, c'est Pigo Stade là, Pigo Terrain, Pigo Tribune, côté quel que soit équipe là qui a joué, qui doit bailler goal, qui doit prendre goal, vin centré. Radio Télé Guinée, c'est One Centre là dans tout pays. Respectez et jouez là. Bonjour tout le monde, nous content de retrouver dans l'occasion 4e sortie page Sport Natif Natal pour ce maintenant. Jeudi, c'est jeudi 13 septembre 2018. Nous content encore chaque jour pour que nous capables de partager information sportive ensemble avec vous. Et c'est toujours même équipe là, Fernand Bounet sous Bordelan, dans le micro pour servir au Bouboule, accompagné de moi-même aussi Charles qui aime saluer Gina Delma, dit bonjour, bienvenue. Bonjour Wesner, bonjour Fernand, bonjour tout le monde qui attend de nous. Nous espérons te dormir matin. Et bon Dieu, fort grâce là, dis-lui merci pour ça et merci parce que pour de nos oreilles, qui est important. Pour nous parler cause sport noir vert ou à travers journal natif natal là. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour la vie tranquille. Tranquille là, on compte pas qu'est-ce moi dire Wesner. Et pour personnage au caill là. Oui. Et pour me dire oui frère. Donc souffre ouais, m'ai 3 jours m'a dit là, m'ai 3 jours à maman. Donc ça veut dire charge te compte bon 5 gouttes pour me pas dire tranquille. Ah. Donc on est ça besoin dit là. Problème misère. Et la misère va douce, non? On a les noms. Et n'a juste dit mon yo, et cultiver l'amour, cultiver sagesse, humilité. Donc, ça qui est bon pour vous, si vous ne pouvez pas chercher par la plus grande. Et qui permet toujours un peu de sagesse dans la vie, ça, c'est important. Donc, si mon yo, continue à aller à l'école, remet la vie, remet bon Dieu. Et respecter plus grand, respecter monde, respecter plus petit. Donc, nous avons avancé et nous pouvons parler oui, du championnat national première division. Effectivement, puisque dans notre, il y a plusieurs matchs qui étaient joués. Et des matchs intéressants. Oui, nous avons mis yeux pour que nous capables de dire comment ça a été. Il faut attendre plusieurs acteurs. Et on nous dit où, pour deuxième journée, il y a l'équipe ASEA qui a joué face à l'équipe Petit Guavelin, match qui finit. Et 2-0, on a avantage l'équipe Petit Guavelin avec Charlot. Et Sénélien qui était buteur et Jean-Baptiste Gladiani inscrit goal contre Cani. Donc ASC finit 5e avec 3 points. Pourtant, FC Petit Guave, le 15e avec 1 point, 3e journée. Et Petit Guave va recevoir Wanamet et Cavalli qui joue contre l'équipe ASC. C'est pour le dimanche. Qui a vina Martial Duval, capitaine FC Petit Guave, il fait connaître des fêtes là, fait partie de jouettes là. Ça qui est important pour Yokounia, c'est travail pour faire meilleur résultat dans le prochain match. C'est un gagnant et un perdant. On ne peut pas nous faire un déplacement qui est tellement difficile pour nous. Malheureusement, on arrive à nous faire un déplacement. C'est comme ça que c'est football lié. C'est normal, c'est un gagnant et un perdant. On ne peut pas expliquer ça. C'est football lié avec même à l'international. Ça a toujours arrivé. Le retour va être au gol. Mais face à ça, c'est plusieurs fois nous avons un retour gol ici. L'objectif, c'est nous venir pour nous recevoir. Et on a mis, c'est une victoire. Parce que ça va avec les 4-9. Voilà, tape suivre réaction Martial Duval qui c'est capitaine équipe Petit Guave FCA gain Capois Junior Julis qui c'est entraîneur équipe Petit Guave FCA en intervention il y a des fêtes d'équipe là qui ont problème interne qui a fait face. Normalement je délivre le match football. J'ai comme débat motivé tout le monde de préparer match football là. Et nous prenons le premier goal là côté joueur moi ballon fait contre là mais on habitait pas été mal placé pas trop action. Et ensuite, là, on a mis en tête entre défenseurs à garder bien, mais on prend des hommes là. Et quand même, nous ne jouons pas au mauvais match. Et moi, je dis son manque de communication à l'arrière central là et Gol de Péa.
Je si on te communique, on te l'autre laissé, et puis c'est que tu as blessé, et puis tu as dit, ballon, c'est ça, c'est pas le problème de travail, mais c'est le problème de communication. Et c'est des fois ça qui communique plus avec d'autres pères. Jusqu'à présent, nous avons aucun doute, nous avons un point sur 6, 7, 17 points en total dans le groupe Balio, entre le premier et le deuxième tour, nous pensons que c'est une équipe de football qui fait le terrain, et je dis à moi, de groupe bataille, n'a pas corrigé. Et pour faire bio, c'était dimanche prochain pour nous gagner, on va mettre la canoë pour nous relancer la compétition. Donc, la sécurité patient, et ça que nous gagnons dans notre tête, comme je sais, c'est faire métier, et nous allons arriver à faire métier dans le championnat national. Ou tap suivre réaction Capoua Junior Julis, qui s'est entraîné avec l'équipe Petit Gouave là. Donc, je une nouvelle là, oui, président. Et je me tente que vous pouvez équipe là-bas, ou, donc on va dégager pour être capable de faire, on va parler de ça dans Saint-Julis. Il nous dit ça souvent. Si c'est parce que on a fond bagay pour même pour que t'a fait gros ké parce que ouais et on entrée qu'a fait mon pas jamais connaît comment dépenser pour entrer à fête. Donc c'est pas tout le monde en Haïti qui est capable gérer une équipe football. Au cas de na bari une équipe fait $40,000, ça pas suffit pour gérer équipe là pendant un mois. Nous dit ça pendant un mois, gagne équipe qui recevoir peut-être une seule fois dans mois ou bagay gagne chance qui recevoir deux fois tout. Donc et gagne équipe l'ol fin recevoir gagne des déplacements ou à mettre au cap ça coûte en pile parce que soit pas le jeu au cap et dimanche faut déplacer le vendredi et vendredi pour arriver pour dans hôtel et samedi pour dans hôtel avec insécurité qui gagne sur route nord là l'ol fin jouer dimanche obligé de dormir pour venir la carouda ou gagne 3 nuits ou faire des fois des délégations de 25 personnes donc calculer comment ça est pour des joueurs et à dormir dans hôtel 25 monde même si tu deux par chambre et on fait un calcul pour eux donc 3 jours et c'est petit bagage qui petit et faut manger faut gagner perdiem et tout ça ça veut dire que et c'est coblan qui gagne non mais dépense là et j'ai l'impression li plus que ça nous t'en cap faire donc son monde ou pas gagne pour bail si c'est expertise ou gagne c'est connaissance ou gagne OK ou capable servir avec mais pas le faire gros cœur le faire grosse tête parce que ouais tel a gérer une équipe ou même ou passer c'est cob c'est million me garantis en Haïti on monde qui choisit et rentrer col dans football c'est au dépenser ou venir dépenser s'arrêter donc il y a monde qui gagne amour pour jouer là qui investit nous dit bravo nous dit au kembe là mais ou même qui pas gagner ta coup m'a dit souvent malheureux pas qu'à faire équipe football en Haïti gain Dani Camille qui c'est capitaine équipe ASA il fait connaître c'est vrai il fait victoire mais il mérite travail pour corriger erreur yo vu ak statut dans championnat. Et pour un match, je ne vais pas assister à l'équipe qui t'a joué parce que je ne vais pas faire déplacement dans la cour. Et je pense que pour assurer à nous, nous avons un paquet de choses pour nous arranger toujours. Et du souple de vie collective, nous avons une très belle équipe. Du point de vue moral, psychologique, nous avons une très très belle équipe. Mais physiquement, nous avons un point. Et techniquement, nous avons quelques petits déchets dans nous. Parce qu'on est équipe deux fois champion, on pense que l'animation, le spectacle, supposé plus que ça nous jeunes aujourd'hui. Là. Parce que nous allons gagner de grosses écuries, parce qu'on est équipe champion deux fois, toute équipe a besoin de battre nous, toute équipe a besoin de challenge. Ça veut dire motivation pour côté par nous, libérer plus chaque jour. Confiance, libère l'autre bagaille. Nous avons une respecter l'autre. Je dis, nous allons jouer Dani Camille, nous jouons Jackson Jean, c'est peut-être même bagaille. Et moi, des fanatiques, pour très calme, pour garder sérénité, pour que l'équipe que nous avons cherché à nous jouer. Parce que nous allons gagner un champ de bataille, nous avons une équipe football. Ça veut dire qu'on est très très collectif, pour que le travail nous ait besoin, pour que nous aboutissions. Nous sommes à domicile, nous sommes à déplacement. Tout ça que nous avons fait là, nous avons fait en déplacement. Pas oublier, nous sommes deux fois champion en titre, suivi. Ça veut dire que nous sommes à domicile. Si nous prenons pression, si l'adversaire prend pression, nous avons joué tête frette avec toute calme. Ou t'as suivi réaction Dani Camille qui c'est capitaine équipe ASA. Gen Antoine Sardouin qui s'entraîne dans équipe ASA, il rete quoi? C'est notre travail, il a besoin de résultat pendant li parler de statut Jackson Jean dans équipe là. Ça fait bagaille parce que c'est bien là c'est travail pour faire résultat et gagner des assez aujourd'hui là on va continuer travailler plus. C'est jouer pour pas perdre, jouer pour pas perdre, nous pas la équipe cavalier et on a quand même fond venir avec un résultat qui positif et encore nous pas la équipe en maintenant quand même encore fond venir avec un résultat qui positif et c'est jouer pour pas perdre. Jackson Jean gagne 2 semaines que il reprend nos sentiments pour dans niveau équipe là, c'est ça qu'on veut faire jouer à demi jeu. On a travaillé avec une chambre particulière pour que pour capable augmenter et quand même n'a besoin monsieur dans le toujours même travail là et jouer pour nous gagner, ben essayer en troisième titre consécutif. Voilà, t'as suivi réaction Antoine Sardouin qui est entraîneur équipe ASC1 et t'as gagné l'autre match qui t'est joué toujours au Cap.
équipe Real du Cap là qui lui-même écrasé Cosmopolite, li passé le 6-1 et sous direction coach là Rosemont Pierre et qui lui-même t'a coaché et donc on a dit dommage c'est dernier match que coach t'a coaché et li gagne Real gagne Cosmopolite 6-1 Real gagne deuxième place avec 4 points Cosmopolite 11e avec 3 points troisième journée c'est Cosmopolite Tempête Baltimore Real du Cap et c'est dimanche que match s'il a joué Cosmopolite a recevoir Tempête dans stade là et Real gain pour déplacer venir jouer la caille Tempête gain Jean Junior qui c'est entraîneur adjoint équipe Cosmopolite là li fait connait li toujours difficile pour parler de défaite surtout sous score ça toutefois entraîneur là espérer qu'un belle équipe là en première division là il vraiment salé parce que tombé 6-1, c'est vraiment un score spirituel. Donc, on n'a pas vraiment ça. Pour 6 goals. Le premier côté, on a critiqué. C'est défensif. Après, comme j'ai montré, il n'y a pas de 100%. Il n'y a pas de ça, nous espérons de nous. Dans la série clôture, nous espérons jouer. Pour nous retenir dans le football là, c'est le premier objectif que nous avons. Jouer au football et puis faire le meilleur de nous-mêmes pour nous retenir dans le football. Absence coach John Sever, c'est un problème familial qui a cherché à gérer avant qu'il y ait un prince pour nous retenir avec le football. Voilà où t'as suivi réaction Jean Junior et qui t'es lui-même qui c'est lui-même entraîneur équipe Cosmopolite là bon passage dans la Bible qui dit l'homme et vio c'est un coup zèbre lorsqu'on vend et passer sous lui et pas exister place côté le occupé à place ça pas existant encore donc et, c'est comme ça et la vie mounier même donc on parle à mon nom jodi hein et puis après quelques secondes ça suffit une seconde seulement pour tendre au dos monde ça li pas dans monde ça encore son monde qui et fait voyage là et ça fait nous toujours dit ou vivre simple pas faire grosse tête rester humble en plus que possible parce que ou pas rien vraiment sinon que bon Dieu qui prête au et yon ti moso vie pour vivre. C'est vrai ou qu'à l'école, ou gen des positions, pa gen moun ki douce ou rive m pa konnen et nan sommet carrière pour pas jui, mais ça que nous souvent rappelons tout pas servir avec tout pour faire moun méchanceté, pour humilier et rabaisser moun parce que et al final, à la fin nous tout égal. Même bagay la, nous oui, pas même côté. Et nous capable dit la vie n'est rien et à partir de ça que nous est là, mais rien ne vaut la vie. Ou ka di la vie pa rien mais pas grand rien qui vaut vie et moi même tout à fait d'accord avec vous et nous konn ki len vini nous grandi mais pas jamais konn ki len avralé ça veut dire chaque grain jour dans la vie ou sou ka fon bien fait oui et nan jan monsieur allé à la c'est vrai c'est un bagage qui inadmissible mais est-ce que personne pense que c'est là le tabouale? Donc là jusqu'à présent. Même quand tu as celle qu'on a tabouale mourir, le tabouette la calil, t'as fait acheter chaîne bâtiment le marel pour le battre là oui. Bon, de toute si façon. Si tu connais qu'on a le tabou, bon, dommage ou pas qu'on est bon. Et c'est la vie. Et fon checker mon réalité puisque nous connais l'amour ça, il fait au mal, il fait au mal en pile. Donc de toute façon, on a regardé pour nous. En nous, faut tande kounya coach Rosemont Pierre qui t'a réagi après match football parce que monsieur pas compte pas le mourir même la parler de équipe de victoire de perspective li gagne pour équipe li et par la suite c'est nan nuit dimanche pour ouvrir lundi que le fin coacher l'a quitté au Cap pour rentrer pour au Prince et pour venir garder match Haïti donc ça me dit petit pays ça va pas jamais arriver que un monde qui gagne moyen t'a fait ça plus facile là le prend petit avion le rentrer tranquille et il vient garder match là et si c'est pour le te mourir joie même aller
Oui. T'as un crash un peu perdu donc. Et ou pas qu'à échapper avec destin ça avec moment ça. Laissez l'or qui arrive donc ou pralé. En nous faut attendre Rosemont Pierre qui lui-même c'est ancien d'aka mettre le conseil entraîneur Real mais qui t'a parlé à titre d'entraîneur dans moment parce qu'il peut te comment. Représenter nous annonce la bonne nouvelle. L'équipe est là où elle est bonne, on peut parler. Et nous avons effectif à Nissan, petit, c'est ça le toujours qui visé. Il n'y a pas de à l'année dernière. Nous sommes nous pouvons toute équipe préparée à partir de ça, nous devons entrer. Nous prenons victoire à venir, mais nous ne pouvons pas penser sur ta plage, nous savons. Bon, équipe est réelle possible, si nous faisons arriver, parce que passage dans les deux fêtes avant d'arriver et nous dédisciplinés en défense. Et l'équipe là, ne font pas lutter contre Paris. C'est la poussée dans le championnat. La poussée dans le championnat. Parce que c'est des parfaits. Il n'a pas l'intérêt, elle va faire partie de l'équipe encore. Mais Ronaldo Lamis, absence Ronaldo Lamis, c'est pas bien parce que la Bouddhine est en train de se nous avons Wilmo Racis qui tape au Brésil. Nous avons gardé la Falcao El Mundo qui tape au Brésil, tout, qui est dans l'équipe là. Nous avons d'autres joueurs, nous avons Ivaris qui est dans le gros monde, qui parle là, on est équipe là riche en effectif. Nous avons quelqu'un dans l'équipe là poussée, nous avons Boaz peut-être l'année dernière qui était dans le Real, mais qui était blessé, qui n'a pas joué l'année dernière, avec Valdo qui était au Brésil, qui tournait, ou équipe en super forme. Nous avons Monsouman, nous avons plein de monde, équipe là. Effectivement, un bon Real, un bon match parce que nous avons des sorties à faire et nous espérons prendre une match. Nous avons des sorties consécutives à Baltimore et dimanche et mercredi, la montée pour le Prince Ronaldo Cardone Bosco, Pétionville. Nous espérons nous prendre un match dans des matchs. Nous venons supporter, nous venons supporter, nous venons supporter Real. Nous avons besoin d'une deuxième promenade, c'est important. Pour tout, nous venons supporter pour l'équipe de la marché. Voilà, on t'a suivi réaction Rosemont Pierre qui c'est entraîneur équipe et Real en feu Rosemont parce que monsieur ça pas existe encore. Donc on pas jamais tendre la parler et là non radio a, parce que son monde Fernand qui pas existé. On a marqué pause là non bien avant. Bien avant Fernand. Qui dans quel homme pour que tu penses à lui? Qui dans quel homme pour que tu l'aimes? Et Sœur la merci oui pour référence biblique là parce que me te dis verset à me pas songer et l'homme est joli c'est ta cousin des bon vent passé sur l'île pas exister et place côté le occupé pas exister. Sœur a dit c'est Somme 103 verset 15 16. Merci mon gona Ivio et qui branché qui a suivre. Heureusement c'est un ancien attaquant payant qui était musique là. Qui était musique là moi fait et son ancien attaquant payant. Et dans l'année 90, yo, mais Rosemont, tu es contre pour Aigle Noir, Rosemont, et tu es contre même jouer tout pour sélection, hein, fait bonheur paysan. Ouais. Et après ça, Rosemont, tu es venu prendre tête équipe Aigle Noir là, comme étant entraîneur. Rosemont, tu es entraîné et sélection féminine moins de 20 ans. Rosemont, tu es entraîné équipe Tigresse là. Et Rosemont, tu as toujours dit l'entraîneur à SSL. Rosemont, tu es fait un petit aller New York. Et il était tourné venu à Haïti. Et depuis le tourné, il était basé au Cap. Il t'a travaillé dans le projet au Cap là. Il travaille ensemble avec coach Songe Pierre et dans le staff technique là. Et par la suite, il s'appelle Game Daddy Série. Et aller championnat ça, lui-même, il était prêt équipe là. Et il fait un résultat quand même, mettre l'équipe là dans le playoff. C'est dommage, je ne suis pas arrivé champion. Et là, heureusement, il a démarré vraiment avec Série Retour là. Malheureusement. Sur les chapeaux de roue. Et heureusement, lui-même, il a perdu. Et déjà, il a perdu la ville. Et sur route nord là, dans la zone à Cayenne, nous voyons, c'est parti nous. À tout le monde que heureusement, tu as collaboré, famille, amis. Mon aigle là, d'ailleurs, il est ouais. Député Cité Soleil là. Et le maire qui était contre jouer ensemble heureusement et qui demandait au moins pour ta faire en terme heureusement ou en terme national. Bon c'est pas taper on tort parce que nous connaissons si football là j'ai que la marché là pour l'instant et heureusement tu es capable jouer dans Real Madrid il était capable jouer dans Milan AC ou pourquoi pas Barcelone. Et tellement monsieur ça il était contre joue football c'est pas moi m'a regardé mais quelques images et quelques vidéos que moi même m'a regardé de monsieur ça moi c'était un attaquant
extraordinaire. Oui, quelqu'un qui dit pays a j'aime produit on il y a pas contre trois attaquants comme ça non t'as heureusement c'est une meilleure que pays non seulement il compte faire goal il compte dribbler et très technique. Ben oui. Donc ça veut dire pas besoin rien non attaquant comme ça. C'est pour vous dire que et football l'enjeu elle a marché là, grand pile joueur football qui était conduit dans le temps. Si c'est comme ça ba la té, m'bon garantie n'd'ap grand pile monde qui que n'ap tande non yo, même j'ap tande que Lonavas hein, qui a joué l'autre bout, t'a attendre Goldman Pierre, ou t'a attendre Enzo Lawrence, ou t'a attendre Johnny De Colline, c'est parce que pas de gagner et ça qui a fait la. Fred Montila, sur ta attendre Bruni Pierre Richard. Oui, bon, si nous prend bonne cité, c'est chaud. On sait que nous t'a font liste qui trois pour nous. Nous t'a font vita éternelle n'ap cité. Donc nous pas d'ab jamais finir. De toute façon, c'est ça la vie mais nous même qui est-ce nous pour nous dire c'est pas comme ça bagala te douiller. Mais c'est vous c'est la mort et nous tendez nous wè la mort chaque jour même si c'est pour bagaille n'a jamais habitué. Non, chaque fois c'est n'a pas parole, c'est mon pour là ou ben son monde ou comme si ça fait la peine, les blessés au juste dans amour. Donc chaque jour je dis ça, c'est la vie, il m'a parlé de la mort, il dérange. Fait nous propose n'a tourner après. Depuis 25 ans, nous campons pour bâtir un pays à bon service. La référence, ma préférence, pour bon banque pays. En toute confiance, toute assurance, n'a plevé des filles. C'est une promesse d'avoir vos intérêts comme seul boussole. En 25 ans, nous avons construit ensemble la première banque d'Haïti. Marche pas marche, nous prenons le monde. D'abord ça cache parce que nous tout côté. C'est l'expérience qui fait nous pas tomber. À transparence, à continuer à frapper. Même côté pour aller, même côté pour aller. La meilleure banque d'Haïti, où il travaille ça. 25 ans de performance, 25 ans de leadership. Depuis nous faire route là ensemble, nous papiter. Même côté pour aller. Banque, faisons route ensemble. Radio Guinée. Nous tournons après pause pour que nous capables continuer n'a pas fontiquité football rapide pour que nous capables parler de karaté bien avant nous retourner en football encore pour mentionner et calendrier première deuxième division qui pendant week-end ça pour aller ouverture c'est une clôture championnat national deuxième division. Ben oui, karaté a qui a mené nous au Japon pour nous parler d'un grand maître et dans karaté qui lui-même et perdu la ville donc finalement et c'est mon sport qui a touché donc veio Wesley. Bon si c'est jodi a pour mourir moi que mourir mais si pour me vivre toujours si me ka font bagaille bien que me fait le bien. D'accord, apôtre Paul te dit je n'ai pas peur de la mort met un gain. Même baron la mort, baron sac la mort. Et à nous aller non, en pleine préparation pour examen baron la mort. Non mais moi depuis mon nan mouri on m'a dit tout sauf l'elle pas occupé, ça veut dire. Ou baron a. Non. Seulement, je connais chaque ça m'a fait. Pas tant de mots, je vais me dire quoi, je vais commencer à boire. C'est pour vivre chaque jour tant que dernier jour. Oui, fait qu'on peut dire comme si c'était dernier jour. Faire autant de bien que possible, je garantis. Il y a une bénédiction dans ça, oui. Les gens qui baillent, ils recevoir plus que les gens qui recevoir. Ça veut dire que si je suis second good, je vais Wesnel, je recevoir plus cop que Wesnel recevoir. Parce que là, ce n'est pas comme la remettre, ce n'est pas mille gouttes de barou, mais il y a une bénédiction qui peut tomber sur la famille. Ah, plutôt chaque jour, on te baille. Et sinon, comme je dis, il y a des veuves là, qui ont une seule petite farine qui est faite. Tu pas pour le prophète. Là. Tu as une farine, la caille n'est pas de chambre qui est mangée. Malgré que tu as une seule petite farine qui est faite pour petite garçon. Il y a une bénédiction dans le monde qui baille. Il y a une bénédiction dans le monde qui fait bien. Fait bien tout à que nous sommes capables.
En pleine préparation pour examen passation de grade, dimanche 16 septembre en Cap-Vinien, Haïti Japan Karate Association Nades Dojo, présidé par Sensei Joiseus Nader, frappé par départ pour l'éternité du Sensei emblématique du karaté Shotokan, Masataka Mori, et qui mourit lui-même l'an 8 pour le 29 septembre 2018, l'an, après deux ans de maladie courageusement supportée. Sous sujet, ça n'a pas été nous suivre. Numéro 1, JKE Haïtien, Sensei, Joiseus Nader. Nous avons remarqué que c'est un contenu de débat que nous avons fait entre nous-mêmes. Nous avons parlé de rencontres avec Sensei Master Masataka Mori, et qui quittait nous. Et dans la nuit 8 à 9 septembre, année ça. Et Sensei Masataka, c'est un Sensei que nous avons rencontré par chance. Et dans les années, et début des années 80, notamment en 1981, quand j'ai rencontré l'été gain d'aujourd'hui le Manhattan, et puis j'ai rencontré Avel, depuis lors que m'a pratiqué karaté Avel, ça fait déjà 37 ans, peut-être à peine ou pas trop même fait, peut-être on est capable de faire. Et m'a pratiqué karaté Avel, moi sorti de. Et à l'époque, moi quitté Haïti, moi pensé que j'allais prendre la troisième donne. Il est arrivé, il dit non, pas de monde qui pratique le karaté en Haïti, faut-il bien me recommencer. Je me prends courage à des bras, pour me recommencer à pratiquer le karaté, je me venu jusqu'à ce que je dis à mon sixième dan. Malheureusement, il Sensei est tombé malade depuis deux ans, il est venu malade, et il a quitté le monde dans la nuit 8, 9 et septembre d'après-midi là. Et puis, non, t'es obligé à prendre conférence pour nous parler de lui, rencontrer avec lui, et ensemble de conseils qu'il va non, comment t'es ouais non dans les premiers jours, comment t'es venu ouais non après, et quelle admiration de gain pour nous. Et à chaque année, dans l'autre bois, toujours, quand des mots dans même pour me dire comment me comprendre le caractère, qu'on y est, par rapport à l'aime de Vignan et tout et tout. Ce sont des gens qui marquent la vie, ce sont des gens qui transforment le caractère en Haïti. Il transforme le karaté, vie, tout. Et il fait m'apprendre à goûter, apprendre à combattre contre ça de karaté. Hein. C'est Masataka Mori qui apprend moi, même dans le malheur, il faut enjoy vie. Il dit même qu'il faut souffrir, vivre vie. Et c'est dans enjoy vie qu'il faut dépasser, qu'il faut transcender pour comprendre souffrance sans rien. Donc c'est ça que j'ai appris, j'ai transmettre. Et étudier, on a parlé de moi comme ça. Et vers la fête, vendredi, nous-mêmes, nous avons souhaité, l'organisation a souhaité qu'à Haïti là. Et Haïti a une bonne délégation qui a représenté. Il y a bien trois mondes, dont Sensei Nader, Sensei Ralph, Sensei Kal. Malgré que je dis ça à responsable de travail, à l'autorité, je suis obligé à finir ça. Il y a un bagage pour le pays, il y a un bagage pour l'organisation, il y a un bagage pour moi. Et je crois que si Haïti n'est pas là, tout le monde a senti ça. Parce que Haïti fait partie d'une ancienne organisation qui est en dans l'organisation Masataka Mori a dirigé. 37 ans, et l'organisation Mori était à la tête, et elle était à peine 42 ans. Sinon, 5 ans seulement, moi j'étais pas là. Et 3 personnes qui ne sont pas là, 5 personnes qui sont plus anciens que moi-même là-dedans. Et si je ne suis pas là, la visite pour tout le monde, et je me rappelle moi, et l'embral prend 6e dan, c'était un bagage pour tout le monde. Moi après me fin passer examen, le parent me dit si me passer si me pas passer. À chaque monde m'a demandé et comment moi li dit que t'aime bien passer, mais ma tata ka personne pas ka aborder. Même Takahashi me demandé Takahashi, est-ce que me passe? Il dit me dit pas connait. Bon, pas d'occuper personne encore. Et c'est après l'elle camper dans salle là pour dire Nader is 6 dan et puis toute salle là t'est mandé enragé. Félicité Nader, moi quoi c'est un jour qui démarque bim et moi quoi Sensei Masataka Alil qui est un gros bide et moi quoi pour quelqu'un qui a remplacé il pas ça te représenter dans l'organisation. Sensei Masataka est comme si un général et pas quelqu'un qui te connaît bien bah c'est un général en Haïti qui est le général Gracia qui est dans le palais elle a passé tout et moi mettez au garde à vous et Sensei Maurice c'est qu'on s'allie dès passer tout le monde oh Sensei vous êtes là. Et en yoy pour saluer lui, moi pas quoi n'a bien non
un monde qui remplace Mazata Kadem matin. Haïti Japan Karate, c'est la même organisation que Haïti Jeké dans New York, Haïti Jeké dans Canada, Haïti Jeké dans toute l'autre state, dans Boston, dans Venezuela, que tout le monde Haïti Jeké et Dominicani, tout le monde a représenté, nous même tout faut nous représenter, valablement. Je crois que depuis quelques temps, nous avons été imposés dans l'organisation, je crois que nous sommes obligés là. Moi, je crois qu'ils ont très très grand vide. Et moi-même, j'ai marqué vie, j'ai transformé vie. Et j'ai pile de choses que je prends à partir de lui-même. Moi, je crois que c'est bon pour moi. Pour moi, et Sansel, en dernière fois, avant de quitter le monde, ça net, visage de quitter le monde. Et malheureusement, je ne suis pas venu. Et je crois que la dernière fois, je suis chaque fois pour le venir. Et toujours, j'ai toujours bol. Depuis le Gain l'organisation n'a pas de l'autorisation pour le venir. Et la dernière fois, j'ai venu là, j'ai dit non, pas venir. Et il était empêché. Moi, je crois que depuis qu'il était empêché, je me dis qu'il n'y a pas de chance de jouer Mazataka à mourir encore. Puisque la santé a commencé à dégrader et le docteur a commencé à demander de ne pas faire trop d'efforts. Donc, malheureusement, nous n'avons pas de gain. Et je crois que Shuta Kashi a commencé à venir en Haïti depuis 1984. Et dernièrement, là, où tu es avec Shuta Kashi dans le Cameroun, côté Shuta Kashi, peut-être à la limite, c'est Shuta Kashi qui va le remplacer Mazataka à mourir. Shota Kahashi lui-même est 7e dan, Mazata Kamori est 9e dan. Est-ce qu'elle a remplacé? Est-ce que Jeke Hit Quarter, Takahashi l'a pas accepté? Mais il y a un bagage qui est pour nous. Pas oublier jusqu'à présent, il n'y a pas de autorisation de passer examen ceinture noire. Ça a fait un deal. Et pas parce qu'ils ne sont pas capables, c'est parce qu'ils ne sont pas autorisation. Pour ensemble des critères, ils ont demandé que je dépasse. Moi, je crois ça. Moi, je suis allé pour une bonne autorisation avec Sansel Mazataka. Mais malheureusement, journée 6-7 ans, pas de bonne chance. Et c'est une journée qui m'a fait tout. Il a fait pas de dernier entraînement que j'ai fait à Mazataka Mouri. Pas de chance. Non seulement j'ai fait chance pour me faire une autorisation à Ceinture Noire, qu'on est obligé de prendre autorisation ça juste au Japon. Je crois que Takahashi, 7e dan, il a bonne autorisation ça. M'obligé à passer l'examen juste au Japon pour me gagner, passer premier donne à la limite deuxième donne pour Haïti, monde qui pas voyager, pour avoir une chance et capable de continuer le karaté. Voilà, vous avez suivi une réaction, Sensei José Usnader, qui est président de JKA Haïti, association NADES Dojo. On va parler football Kounia parce que la première division 4e journée a joué et pendant weekend ça on ouais et commence à pied pour 4e journée et qui a commencé depuis un samedi dans stade Silvio 14 à 6h gain Racine et qui lui-même a joué contre équipe AS Sud-Est là. Et moun kap sifflé c'est Nesli Dorceus et Rodrigue d'Haïti a commissaire au terrain. Et nan dimanche 16 septembre nan Parc Saint-Victor Cap Haïtien FICA recevoir équipe Valencia de Léogane nan match qui a joué à 6h. France Georges a sifflé et Fritz Gérald bien-aimé a commissaire au terrain. Toujours un dimanche nan Parc Anglade zone Tigouave à 4h. GFC Petit Gouave quand je côté équipe Wana maintenant. Edson et Fenelon a sifflé et Bruce H et point des hommes a commissaire au terrain. Dans le parc national du drapeau, dans Arcaye FC qui joue contre l'équipe Don Bosco et deux Pétionvillain, Ramsès Jean a sifflé et Manès Julien a commissaire au terrain. Toujours en dimanche, dans le parc Bayas et Mirbalé à 4h a recevoir l'équipe Racine Football Club de Gonaïve Lan. Ernso Jean-Baptiste a sifflé et Serge Toussaint a commissaire au terrain. Et toujours un dimanche, et dans le stade Silvio 14 à 6h, le Cosmopolite a recevoir Tempête, Jean-Marc Moreau a sifflé et Freddy Jérôme a commissaire au terrain. Dans le parc Gérard Christophe, dans Léogane à 4h, Cavalier a joué contre l'équipe ASCA. Jean Labadie-Pierre a sifflé et Frédéric Zamor a commissaire au terrain. Dans le parc Levelt, Saint-Marc à 7h. Il y a Baltimore qui a joué contre l'équipe Real Hope du Caplan. Wilson Tillus a sifflé et Hébert et Cadet et Flaneur. Et lui-même, c'est lui-même qui a commissaire au terrain. Donc, c'est comme ça. Et ça a bien déjà
et nous connaît mot d'ordre là nous connaît moi même j'aime penser j'aime parler tout et surtout dans championnat national yo aller dans match à la bambou nous à la tambou nous à la cha cha nous à la ça nous capable faire brenter l'équipe yo c'est football moi me dis nous ça et moi même croise avec plusieurs joueurs et qui t'a pral porter couleur sélection on l'autre réflexion que me fait avec joueur et moi poser aux questions pour me dire bon et comment nous senti nous lorsque n'a joué pour un club et que n'a joué contre un joueur qui fait partie de sélection qu'on est avec nous et moi même réponse m'a prêté tant ça veut dire pour dire moi c'est adversaire moun sa jodi an mais m'a toujours en mille pour me paraphraser donc Zenono et adversaire aujourd'hui ami de toujours donc c'est pas ennemi non li, c'est ami de toujours ça veut dire qu'on frotte avec moun sa ou c'est haïtien moun sa c'est haïtien toutefois que n'a pas rendement yo sujet à appeler nous en dans sélection et le nous ouais gens de bagaille comme ça c'est une façon pour me voyon leçon claire bah fanatique yo bah dirigeant yo parce que dans le temps tempête qu'on croisait avec équipe Fika et Fika te qu'on croisait avec Mion Ballet et Mion Ballet te qu'on croisait avec ASC et c'est pour vous dire que nous croiser entre nous moun ki fort moun ki mieux et placé moun ki ka bail ça le bail là mais a fait appel à client de sélection et là nous dans sélection ça qu'arrivé ou partager même chambre avec et joueur pareil ou parce que nous constituons en sélection ça veut dire il doit dire bon chambre ça Woudenski cher enfant et accompagné Charles Hall Junior ou bien et collé accompagné de Charles Hall Junior ou bien tant d'autres joueurs Woudenski cher enfant et donc c'est une façon pour nous dire football c'est l'équipe aux amis et jodi là wala kay moun sa li recevoir bien le et que ou même après se voile tout après se voile bien c'est réciprocité en qui pour démise et même gens ça qui t'est passé bouche à d'autres monde et contre AS Monaco nous pas jamais oublier ça c'est une bonne image et c'est image ça nous besoin pour football national là lis mon bral cité là c'est mon sou ouais au souterrain pendant week-end ça arrêter pour arrêter non ça gagne ça gagne pour la moi pour oh parce que commission qui va faire tout commission a dit m'pa connais c'est liste m'bra cité à la commission a dit pas qu'à jouer bien OK que Leonardo Amilcar qui c'est joueur Valencia de Léogane il était prêt carton rouge Junior Gentil qui c'est joueur Racine club haïtien il était prêt carton rouge Oné Djamel qui c'est joueur Wanamet il était prêt carton rouge Peter Germain qui c'est joueur Baltimore li suspend par commission de normalisation du Baltimore donc si nous on ça au souterrain dimanche relan moi yo pas ka jouer et bao gain et buteur yo jusqu'à présent c'est Bashmi qui gagne deux goals qui a joué dans Cosmopolite li fait une deux yo younanda Edmundo Dorvilus qui c'est joueur Real qui gagne deux goals tout fait younanda donc fait deux dedans mais j'ai pas fait un deux on allait dans deuxième division et rapide pour nous dire comment ça à pied parce que et match a joué dans deuxième division tout et déjà mon yo peuple moi mes amis à l'applaudir équipe nous et match avec bande nous arara nous al faire bonne tête dans tête mon yo bon non non 1 Wesner a gagné match et dans Parc Saint-Pierre Limbé dimanche Limbé a joué contre équipe et ASSL Guir Limpierre a sifflé Fabien Daniel a commissaire au terrain et commissaire pam nan et deux commissaires m gain et Hébert qui c'est flaneur Fabien Daniel qui c'est ami pam nan parc Joseph Gouvernec nan zone Chansolme à 4h Chansolme a joué contre équipe Racine Gromone Jackie Mart Timère a sifflé et plutôt me pas citer nos habitudes parce que non moi pas ouais yo et Victor Innocent a commissaire écriture là li faible li pas bien sorti moi plutôt me pas citer pour me pas bail problème et n'en pas que Roland Abdalla Gromon à 4h accolade Gromon a joué contre équipe Éclair et Gonaïve là Pierre Noël Telusma a sifflé et Advin Saint-Pierre a commissaire au terrain
Dans le parc Saint-Joseph, Fort Liberté, à 4h. JS Fort Liberté, je compte l'équipe Athlétique FCA. A gagné et Buxinel Cineas qui a sifflé et James Mesamou a commissaire au terrain. N'a pas que Immaculé Port de Paix à 4h. Port de Paix FC contre l'équipe AS Trou du Nord-Land. Et qui est-ce qui a sifflé là? Vincent Diosier a sifflé et puis Wok Juvens Clavel a commissaire au terrain. Bon, gars les femmes d'âge ton lunette mes amis, comment ça perd l'air et mami a prend l'âge. Et toujours dans zone Nord 2 hein. Et dans Nord 2 kounya, nous te quitté Nord 1. Et un dimanche, n'a pas que Saint-Gabriel. Équipe Lascaobas FC a gagné pour jouer contre équipe ASD Saline. Nerva Ravix a gagné pour siffler et puis commissaire au terrain c'est bien Wilkins Guillaume. Et n'a pas que Michelet Destinoble Verrette à 4h dimanche. AS Verrette gagné pour jouer contre équipe US Ponsondéa. Ali Dorilus a sifflé Berman Michel comme commissaire au terrain. N'a pas que Christian Dorson dans Liancou à 4h dimanche. Panthère Noir gagne pour jouer contre équipe Vision de Hinchelan. Kendi Benjamin a bien pour siffler Étienne Germain a commissaire au terrain. N'a pas que Charlemagne Peralta et dans Hinch à 4h. US Papa gagne pour jouer contre équipe AS Borel. Et Vincent lui a bien pour siffler et puis Mougelin Julien c'est pour le commissaire au terrain. Et n'a pas qu'à Dumas estimé et dans zone mon oui à 4h et gain équipe Encadin FCA gain pour contre équipe Triomphe de Liancourt là. Yudlin Jean-Jules a gain pour siffler et puis Jean-Emmanuel c'est pour le commissaire au terrain. Et journée lui même l'a décalé à mercredi 19 n'a pas qu'à Louis La Martinière. Et gain équipe USR là qui gain pour jouer contre équipe ASD Saline là. Jacques Robert Arthur c'est pour l'orbite centrale et puis Ernst Datus c'est commissaire au terrain. Allez dans zone sud là non, yo payo. Non, on va dégager au continuer et puis moi m'a faire ça bon. Mami on commence perdre l'air mes amis. Dans zone et sud 1. Et en vendredi dans stade Silvio 14 à 6h. Violette a joué contre équipe amateur de Cité Soleil là. Judith Amboise, c'est pour l'arbitre central et commissaire au terrain, c'est bien Thomas Wilkange. Et en samedi, dans le parc Gérard Christophe, dans l'Éogan, à 4h, Exafout a joué contre l'équipe Lyonceau de Pernier. Ulrich Lapet, c'est pour l'arbitre central, commissaire au terrain, c'est bien Boissonnière Prosper. Et en dimanche, dans le terrain Académie, Woodfrère à 4h, PNH a joué contre l'équipe Aigle Noir. Bembito Selima, c'est arbitre central, et Elison Dieujuste, c'est commissaire au terrain. Toujours dans dimanche, terrain ciment d'Haïti, sous matelas, 4h, roulado sous matelas, je compte l'équipe Club Sportif Saint-Louis. Wisley Pierre, c'est arbitre central, Saint-Tus Philo, ou encore Fito, c'est pral commissaire au terrain. Toujours dans dimanche, dans le parc Tony Wolf, dans Lagonave, à 4h, roulado de Lagonave, je compte l'équipe Victoria de Jacques Mellan. Ajax Etienne, c'est pral arbitre central, Gary Sena, c'est commissaire au terrain. Match qui a décalé en mercredi, journée ça, dans le centre sportif Carrefour à 4h. US Carrefour, gagne pour jouer l'équipe Exafoot de Léogan. La Wengens, Joseph, c'est arbitre central et commissaire au terrain, c'est bien Leslie Laguerre. Sud 2, en dimanche, n'a pas que Lanco, Okaï à 4h. Juventus Decaï, je compte l'équipe ASA 15. Pierre Michel, Jean-Baptiste, c'est pour l'arbitre central, commissaire au terrain, c'est bien René Voltaire. N'a pas que Saint-Louis, Jérémy à 4h. Jérémy, qui est pour jouer contre l'équipe América Decaï. Olson Rosier, arbitre central, commissaire au terrain, Renel Teramen. N'a pas que Ferrus, Gringoire à 4h, Inter de Gringoire, je compte l'équipe Accolade Fondenaiglan, toujours un dimanche. Damas Arthur, c'est arbitre central, Jimmy Souverain, c'est commissaire au terrain. Parc Bellevue, dimanche 16, Port Salut à 4h, Port Salut, FC, je compte l'équipe Éclair de Petit Gouavelin. Gertin Jacques, c'est arbitre central. Yves Jérôme, c'est commissaire au terrain. Et dimanche, n'a pas que Justin Rich, Cotel, Casimir, dans Miragouane à 4h. Rangers de Miragouane, avec l'équipe ASGG. Riclès Carrière, c'est arbitre central. Et puis Andral Civilné, c'est commissaire au terrain. Journée qui a prolongé mercredi 19 septembre, qui a venu là, n'a pas que la Co-Okaï à 4h. Ouragan des Caps, je compte équipe ASAK. Putiel Dumas, c'est arbitre central. Renal Teramen, c'est encore une fois commissaire au terrain. Voilà ce qui a trait à championnat national. Deuxième division qui pourra louer. Grande ouverture. Et c'est une clôture championnat disputée pendant week-end. Ça.
et nous dit ou l'autre semaine c'est pour la Ligue des Champions pour Zou et li devant là c'est pour la Ligue des Champions et weekend ça n'a gagné l'occasion pour qu'une capable parler de championnat européen qui a fait actualité. Merci tout le monde, nous t'es content pour te pour eh ben 4e sortie page sport natif natal pour ce maintenant. N'a pas vite rester branché pour suivre programmation.